Merci Seigneur encore plus. Seigneur déjà fait sacrifice pour venir là, Seigneur. Nous là avec nous pour que nous soyons capables de continuer, Seigneur, et former le peuple là, Seigneur, pour ça où nous Seigneur, concernant de la santé, Seigneur. Nous connaissons mon Dieu qui est fidèle, c'est mon Dieu qui est réel. Nous bénissons et Seigneur, nous bénissons et appareil, Seigneur, radio ça. Et nous bénissons, Seigneur, tout le monde qui travaille dans la radio parce que c'est mon Dieu qui est fidèle, Seigneur. Nous comptons sur nous, nous connaissons mon Dieu fidèle, nous agir pour nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la puissance, l'autorité au siècle des siècles. Amen. Donc, nous retournons pour nous saluer les amis encore, nous saluons encore parce que vous avec nous, vous êtes à côté de nous. Merci avec toute l'équipe là qui est bien présente dans Kaila pour capable aider nous faire toutes les amis suivre la conférence. Nous sommes avec nous, le docteur nous apprécie un deal, nous remet un deal, donc dans la sagesse par rapport. J'en fonctionne, ça fait nous apprécier en pile. Donc, qui n'a qu'à là avec nous là, t'as des conseils, nous prenons des chances pour nous capables de présenter les amis, le docteur passé qui est avec nous, dans le cas là, là, son docteur. Donc, moi, je pense que vous m'entendez, nous sommes contents en ville, dans les ça. La petite pause pour nous donner rapidement. Avec Frère Xavier, nous bien avec nous, nos amis, docteur nous. Donc, comment ça y est? Ok. Ah, c'est un plaisir pour moi. Pour moi, quand il y a encore, dans une semaine de conférence, passé deux fois, bah, quoi, tout le monde qui a fait ça. Donc, il faut que ces petites cailles là, et j'aime te dire auparavant, c'est toujours un plaisir pour moi. Pour participer ensemble avec nous, quel que soit l'air que l'IA, même si nous ne sommes pas capables d'inviter pour nous là en personne, les mettre par téléphone, pas hésiter. Pour qu'on doit faire une émission, ou pas besoin d'inviter pour nous. Du moins que c'est pour nous parler de la santé, du moins que c'est pour nous faire une éducation, faire peuple bon Dieu à l'éducation, parce que moi-même, je suis disponible. Moi, saluer tout le monde, tout auditeur, tout le monde qui est là. Merci avec nous qui t'a fait appel avec moi encore. Je remercie mon Dieu qui permet de moi là. Et je pense que nous allons passer un bon petit moment ensemble.
Merci donc et nous remercions. Nous espérons que c'est maintenant bien vous-même et tout le bagage en forme. Oui, tout le bagage en forme. Grâce à Dieu. Bien. Merci donc. Le plan en même. Donc, vous êtes capable de continuer. Donc, je vous dis, nous allons parler de un sujet parfois qui fait mon riz, mais c'est un sujet qui a une grande importance. Parce que, en mille fois, sujet nous allons parler, c'est comme que il y a des gens qui rentrent dans le coquille. Comme si il y a des gens qui peuvent prendre la parole en public à cause de problèmes que vous avez. Mais j'en ai fait la fois dernière, nous ne sommes pas capables de commencer à parler sans que nous ne parlions de maladie qui a fait actualité là dans le moment. Peuple bon Dieu. Oui, il est vrai que bon Dieu est capable de dire nous avons tout travail que nous avons. Bon Dieu est capable de dire nous avons tout mauvais pas que nous avons. Mais moi, je songe dans Matthieu chapitre 4, je songe verset 1, il est que malin, Satan, te prend Jésus, il te placé sous tête des temple là. Il demande de le délaguer pour l'en bas. Il y a un verset dans la Bible pour te dire Jésus-Christ, bon Dieu a passé les anges de l'autre pour lui capable de protéger, pour qu'il n'y ait pas touché. Nous jouons ça dans le psaume 91. Et Satan te râle. Jésus-Christ lui-même, qui a tout pouvoir, ça c'est pas rien devant ça que le capable fait. Il te réplique pour lui dire Satan que vous n'avez pas le droit d'attendre, bon Dieu. Donc, oui, il connaît que rien n'est pas privé, mais il n'a pas le droit de mettre mon Dieu au défi. Donc, c'est même pas là pour nous. Oui, il est vrai que nous sommes chrétiens. Il est vrai que nous, et mon Dieu, a protégé nous comme toute épidémie, comme toute sa chair. Radio, télé, mais pas tant de mon Dieu. Fait premier pas, il même pour faire deuxième pas pour nous. Donc, mon Dieu, mettez des mondes où nous, qui vous dit nous, pour nous prendre des précautions, pour nous respecter les principes d'hygiène, respecter les principes d'hygiène, mes amis. Lavez-vous. Mais, dès que le produit s'est digéré, vous passez dans le sang, ou bien,
laissant ta vie de l'enfant, pour dire que tu as la possibilité de faire des soucis, je vais te dégager, il va avoir tout à l'heure dans la tête, il va avoir une sensibilité de mental de l'odeur, différent de gens qui vont rejeter le terrain. Donc, si tu vas te dire à ton place, tu consommes un peu de temps, tu vas avoir un petit peu, tu vas avoir un peu de sang, tu vas avoir un peu. Déranger vraiment. Mais par contre, là, il y a plusieurs espaces dans qui ont des débris alimentaires, donc tout ça, on va mettre ensemble et puis, pour chaque fois, on dégage un mauvais odeur. Donc, mes amis, aussi dans s'il vous plaît. Et parler plus particulièrement pour jeunes, adolescents, adolescentes. Donc, que si on a dit dans l'âge 12, 13, 14, 15 ans, dans le moment côté que l'école a changé, c'est dans le moment où on a le tapis pour soin bouché. Mais ce n'est pas vrai du tout. Nous regardons nos jeunes, c'est dans la tranche d'Aïsao qui nous a plus mauvaise haleine. Donc dans la tranche d'Aïsao, avec les gens qui sont grands et qui sont grands, les personnages, nous jouons une mauvaise haleine. Donc il y a plusieurs raisons qui causent ça. Ensuite, il y a un problème. Les gens qui ont une bouche qui a séché, les gens qui n'ont pas de salive dans la bouche, donc ils ont les zéostomies, ils ont l'hypocyalie. L'hypocyalie sont en diminution de salive là. Il y a plusieurs causes qui sont capables de faire ça. Et puis il y a zéostomie qui c'est une absence totale de salive dans la bouche. Il y a des gens qui suivent le traitement pour le cancer. Parce qu'il y a des gens qui ont un cancer dans le cou, cancer dans le niveau langue, cancer et dans la glande salivaire. Donc les gens sont traités avec des rayons. Donc rayonnement ça. Radiation, ça peut empêcher que salive produit et plante salivaire produit salive. Donc, du moment que mon bouche a séché, la peut remarquer que la vie bien mauvaise haleine. Parce que pendant que bouche a séché, il y a une multiplication de bactéries dans la bouche qui peut causer que les bactéries ont dégagé plus de gaz sulfureux et puis mon la plus mauvaise haleine. Donc, parce que salive là, pas oublier que tout bagaille que nous prenons comme médicament, nous jouons dans la nature. Eh bien, bouche n'est pas épanier. Bouche n'est pas épanier parce que salive là, c'est meilleur reste bouche là. Parce que salive là, pour contre, il y a un produit qui est le mucine là-dedans qui empêche les bactéries de accumuler une seule. Donc, si les bactéries n'ont pas de possibilité pour multiplier dans la bouche, c'est sûr qu'il y a une mauvaise haleine. Après ça, mes amis, nous gagnons consommation d'alcool. Mon cap consommer alcool, yo. Pourquoi n'a pas remarqué ça? T'as fiaté. Remarquez que alcool là, il provoque une diminution de salive et dans bouche. De temps en temps, on a senti bouche la sèche. Mon cap respirer dans bouche. Mon fait pour respirer dans nez. Donc, on va respirer dans bouche. Ou on remarque que bouche la sèche beaucoup plus rapide. Et qui dit bouche qui sèche, ou dit que mauvaise haleine. Donc, ça qui arrive tout avec les sécheresses buccales, il provoque beaucoup plus carie dentaire. Or, carie dentaire, c'est une cause
contrainte, mauvaise haleine. Réconfort. En par exemple, il y a un dent qui gagne un trou. Non seulement les quimbés débris alimentaires, mais pas oublier que les tissus qui sont dans le cap détruit, qui déminéralisé, sont tissus qui sont pourris. Et si son bagage est pourri, son bagage est senti. C'est clair. Donc, durant que mon avis pour mauvaise haleine, dans ce sens, il peut regarder tout le bagage dans la consultation. Il peut regarder dans sa bouche. Il peut regarder tout le tissu pour voir comment le tissu est. Et puis, il peut regarder dans pour voir si pas de problème. Si pas de problème, gencive. Si pas de problème, carré. Donc, mon qui respire dans la bouche, en pile fois, respiration de calza, de provoquer une sécheresse dans la bouche. Mon qui fume, mon qui fume, l'homme tabac là ou à fumer, ou rentrer en chaleur dans la bouche, ou faire. Parfois, on a un peu de temps, 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 on a un pe
Je ne serais pas capable de juste mon médecin salut d'or, qui écoute les patients, mais qui s'apprend nous-mêmes. Et nous sommes au monde, et ça va faire pratiquer et le faire. Même de parler de l'autre côté de l'investissement, si on peut dire que l'être dans ce sujet, c'est ce que la population, quand elle est dans le A, c'est ce que l'on va faire maintenant, ça va être fierté pour nous dire. Donc, on a encore une fois, c'est
Après 2-3 heures de temps, vous remarquez que la bouche a retourné des mauvais sentiments encore. Donc, si vini, vini faire consultation, vini pour le docteur Awe, qui ça qui cause mauvais sentiments. Et si le dentiste lui-même n'est pas joint à cause dans la bouche, laisse la préférer au baron. Le docteur qui a lui-même qui pourrait aller chercher si ce n'est pas un problème métabolique ou bien si ce n'est pas un problème qui vient encore qui cause que vous avez mauvais sentiments. Donc, je pense que nous avons écouté. Et qu'on y a capable de prendre une question, si toutefois nous avons une question, bon, je pense que ça me dédie de utile. Merci un peu. Merci. Merci donc. Et...
Alors, moi t'as bien tendé, mais moi, il y a un pile problème là, et parce que dans l'esprit un pile monde, bon, c'est bouche là toujours problème, non? Et, donc moi j'en ai pile bagaille. Dans toute maladie, on va là, en Haïti là, moi, dans pile monde qui a un problème ça. Parce que ce problème nous croise souvent. Donc eh bien, donc nous allons prendre question. Yo. Après ça, si l'équipe a des questions, on va poser. Dans 43 14 52 30 37 05 90 12. Nous remercions avec le docteur Passé qui va jamais refuser nous. Les amis nous qui toujours vont sourire, soulèvent-les. Nos amis, nous allons les recevoir. Nous saluons tous les amis qui attendent nous sur YouTube. Vous voyez que les gens disent que nous sommes venus, par contre. Nous saluons. Et bien, après la question, dans 43, 14, 52, 30, 37, 05, 90, 12, pour capable de poser question. Radio Télé Réconfort. Avec docteur. Fais ça rapide. Au gain, quelques minutes devant, vous faites ça. Pour capable de poser question. Allô, Zambi. Radio Télé Réconfort. Allô. Bonjour. Bonjour, Benou. Ok, on va parler. Au gain, question, vous, docteur, là. Merci Fréjo. Et on a pour question toujours. 43 14 52 30. 43 14 52 30. 37 05 90 12. Vous posez question avec le docteur Passé qui nous fait ça. Avec le docteur Passé qui nous Merci. Oui, nous avons une question pour Doc là. Oui. Donc, on va prendre une discussion. Et nous avons un problème, mauvaise haleine. Par exemple, et nous avons un sanitaire qui se pose une question. Est-ce que le monde a parlé en plus après une autre mauvaise haleine? Non, mais moi pose des questions, on a noté, après on a répondu. Bon, nous on vient longtemps, c'est du vent, et puis nous continuons par exemple, on est sain, et puis nous continuons dans le vent, nous continuons à dire, par exemple, on est sain, et puis ça a abouti, est-ce que ça peut être le temps de nous dire, ou bien, merci. N'a pas bon. Tendez la radio. Merci. N'a pas d'autres questions encore. Tendez la radio. N'a pas noté toutes questions. Et puis, n'a pas répondu ensemble.
Donc, la prière pour nous toutes, et puis après la voile. Donc, 43-14-52. Ok, on a continué pour la question. Et vous-même, laissez-nous regarder YouTube là. Créativité, réconfort. Les amis, bon Dieu, venez. Nous avons 43-14-52-30, 37-05-90-12 pour capable poser question avec docteur Passé qui n'a pas là avec nous là. Fais ça rapide. 43-14-52-30-37-05-90-12. Si ton vient de question, c'est pour vous aider parce que tout à l'heure, on va poser des questions encore. On est bagaille en ville, mais en question, soldat. Radio Télé Réconfort. Les amis, bon Dieu, bénis. Bonsoir, Réconfort. Bonsoir, qui vous attendez nous? Bonsoir, Réconfort. Bonsoir, nous attendez-vous. Qui vous attendez nous? Bonsoir, le docteur Abraham. Oui, nous attendez-vous. Vous passez très bien. Nous attendez-vous très bien, madame. Vous pouvez retourner. Ok. Nous tendons très bien nous-mêmes, nous tendons très bien, nous tendons. Ok, 43-14-52-30-37-05-90-12 pour pouvoir poser des questions que vous avez pour le docteur qui est là avec nous, le docteur Passé. Donc, lui-même qui. Les amis, mon Dieu béni. Bonsoir. Vous mettez parler. Parfois, vous vous dites, vous connaissez manger, vous mangez et vous passez dans le corps. Vous connaissez le corps. Et puis, vous connaissez le corps. Et puis, après quelques jours, vous dites, il y a des mauvaises années. Mais vous dites aussitôt que on les continue à manger à sortir ou elle est toujours, vous corrigez. Est-ce que vous vous dites, on va aller avec ça? Ok, donc vous entendez? Merci. Oui, du récepteur ou la caillou, là, vous les noms pour pas avoir nos petits problèmes, s'il vous plaît. Donc là, on n'a pas quelques questions qui viennent là. Mais c'est bien laisser son docteur lui, parce que j'aime le écrit bagage là. Bien là, pour qu'on nous bagage bien en santé. Et comme il y a un docteur lui, parce que bon. Même si la grimpine, on va vous faire fortement, donc la première mieux, c'est la faire lecture. Donc, faire lecture à vous-même. Ok, on a continué à recevoir des questions. Pendant que vous faites lecture, on a noté des questions. On a recevoir des questions. 43-14-52-30-37-05-90-12. Vous pouvez vous poser des questions que vous gagnez avec le Dr Passé qui est là avec nous. Même capteur de nous sur YouTube, vous pouvez continuer à abonner avec RTL, RTL Haïti, Abstron 202, production, Kabay Bon Service. Abonnez avec Chanel Sayo pour capable toujours tendre toute activité réconfort à faire et tout côté Ligue des Pasteurs ou bien secteur évangélique à une activité ou toujours joindre. Abstron production 202 et puis RTL Haïti. Les amis YouTube, vous n'avez pas bien fait ça. Et 43-14-52-30, soit vous n'avez pas de questions encore. Et nous n'avons pas deux encore. Ok, nous n'avons pas deux encore. Et nous avons fait lecture ça encore. Donc, on vous dit, soldats, vous avez une question en ville, nous n'avons pas deux encore. Nous n'avons pas deux encore.
donc qui était sur une ville, dans Kaila, 43 14 52 30, vous posez une question très importante avec le terre passé. La petite pause. Ok. 43 14 52 30 37 05 90 12. 43 14 52 30 37 05 92 90 12. Vous pouvez poser une question qui fait plaisir dans le salle avec le docteur Passé qui est là avec nous. Nous docteur, donc nous vraiment, vraiment apprécié. Nous saluons le docteur Valérie Pierre-Michel, docteur Chapiron, nous saluons tout le docteur Sayo, nous saluons le nom du Seigneur Jésus. Oui, docteur. Chérie. On peut parler, ça, va bien. Docteur Chérie et Chérie Luce, pas vrai? C'est ça. Chéda. Chéda, Florenceau. Ok, nous saluons. Donc, nous saluons tous les docteurs qui attendent nous là. Donc, qui suivent, docteur Passé. Nous, docteur, bien que, bon, même si vous êtes là, vous attendez nous. Donc, à ça, je lui dis, ces gens, même si je fais me connaître docteur Passé, c'est docteur Imogène. Mon Dieu, nos amis, comment ça va? Allô? Allô? Oui, mon Dieu, nous, vous entendez, vous m'êtes parlé. Allô? Oui, allô, vous m'êtes parlé. Oui, parce que, l'émission m'a perdu là tout, parce que là, m'a perdu nous deux, mais ça fait plaisir à dire, mais qui peut donner des pas pour nous d'aborder? Combien de fois on a dû bosser? Oui. Ok. On a beaucoup de temps. Eh bien, la bonne réponse là. Merci. La bonne réponse là. Attendez-nous dans la radio. On va continuer à faire ça? La bonne réponse là sur la radio. On met tendez-nous. Parce qu'il y a une émission à faire là. Oui, vous mettez continuer à tendez-nous. La bonne réponse là sur la radio. Attendez? Oui. Ok, on met continuer à attendre, on met à aller dans la bonne réponse sur la radio. Ok, d'accord. Bon Dieu, bienvenue. Merci. Ok, combien de fois on monte à lui, moi aussi. Vous comprenez? Allô? Ok. Hein? Ok, ok, ok. Donc, ok. On apprend, soldat, des questions ou bien seule question. Et donc, vous n'êtes pas capable. On est moins bien adressé, mon. Monsieur Abgadé, oui. Donc, 43 14 52 30 37 05 90 12 pour vous capable poser des questions avec docteur nous qui sommes en là avec nous, qui attendons, qui disons comment vous faites pour ne pas courir derrière vous, leur parler. Pour ne pas courir derrière vous. Donc, de vous parler, très très important. Parfois, on est bien habillé. Il y a un petit problème. Mais avec le confort, pour tout ça vous faire avec Absolute Production 202, RTR Haïti, pour tout ça vous faire net avec Docteur Passé Parien, nous avons une équipe Docteur nous là. Nous n'avons pas besoin de l'argent pour nous aider. Nous n'avons pas payé pour ces séminaire. Il y a déplacé, nous avons mis nous bête. Moi, je m'en prends pile bête là, monsieur. Eh bien, soldat, nous avons une seule question encore pour nous capables. Mais on a une question, ça, soldat. On a une question, ça. Nous voyons qui ça. Mon Dieu, nos amis. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Bishop. Comment ça y est? Ok, Bishop. Naptando, États-Unis. Moi, je suis extrêmement grand pour autant avec mon fil d'attention. Parce que ça n'a pas fait un gros bagaille. Bon, je bénis du Père, moi, ça y est tout. Yes. Parce que moi, victime de la bagaille, déjà, mais quand même, il y a autant bien. Bon, je vous ai bagaille tout. Donc, je vous en dis parce que si c'est un bagaille, c'est un autre fait que le monde général, tout le monde de mon Haïti, pas pour vous dire que c'est ça. Parce que moi, victime de la bouche. Attention, et puis après ça, tout faire
nous promet de l'application. C'est tout ce monde qui l'a gagné. Créativité des réconforts. Non, c'est la qui est important dans la partie d'un fort. C'est tout ça, les filles, à votre venue. Merci, merci, son pasteur depuis les États-Unis. Alors, moi, j'étais victime, non, le docteur charlatan, qui était rachon dans des mois, qui fait un pile de corps sorti de Port-au-Prince. Mais elle a fait mal, elle a fait mal. Je ne suis pas victime encore, mais il y a un chargé docteur. Donc, on va répondre à une question, parce que la question est un pile dans mon lard. Donc, on va prendre une encore. Donc, pourquoi vous avez une centaine de questions là? Si tu as l'air, tu as posé 200 questions. Vous avez comment ça est? Allô? Allô? Bonsoir, comment ça est? Allô? Oui, bon Dieu béni. Nous tentez, vous m'êtes parlé. Allô? Nous tentez, vous m'êtes parlé. On ne peut pas parler en ce moment, oui. Ok, on en parle. Son question à poser. Allô? 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 Oui, est-ce que son question à poser? Quoi? Allô? Moi, attendez aux amis. Moi, attendez très bien, moi-même. Ok. Regardez, mon question à poser, comment vous y êtes? Nous très bien, on va te poser aux amis. Allô? Oui, on attend, on va te poser question. Oui, oui. Okay. Comme si nous avons un gros problème. Je vais arranger, mettre quelques temps devant. Ok. Faire arrangement là-dedans. Je vais faire arrangement. Ok. Oula? Oui. Oula? Oui, non, on attend de vous. Allô? N'attendons très bien. Nous déjà des docteurs nous là. N'attendons. Vous me connaissez? Vous me arrangez devant. Parce que devant, vous me arrangez. Créativité des réconforts. Allons en même. Comment les soldats nous venez-nous? Bon Dieu, mais nous très bien, nous parler. Moi tantôt. Merci, c'est Christian, nous t'avions dans la caille. Merci, soldat, nous parler. Alors, nous brancher sur YouTube là, on va regarder tout ça, on va faire un temps là. Ok. nous parler, nos soldats. Vous m'avez parlé, m'a entendu. Ouais, c'est pas Christian. Vous avez une question? Je ne sais pas si vous avez une question. Merci, vous avez une question pour le docteur. Madame, vous avez bien. Vous m'entendez très bien. Est-ce que vous avez une question pour le docteur? Nous vous l'avons dit. Allô? Oui. Ça veut dire que si vous avez une question, même dame, vous avez une question pour le docteur. Bon, c'est depuis 6h30 que nous ouvrons. 6h30 pour 8h du soir. Mais pour le moment, on va joindre nous à 8h du matin pour 6h de l'après-midi. Boulevard de la Liberté du lundi au samedi. Donc, du moment qu'on passe dans l'espace de Sakumzola, c'est 8h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi, ou à jeune. Vous combien de bien? Créativité des réconforts. Oui, oui. Bien, ok, merci d'avoir dans le boulevard de la Liberté. D'accord. Merci. Ok, très bien. Passez, docteur, par un numéro de téléphone. Un petit monde avant d'aller, la baille téléphone, mes amis, au cas de numéro 1. Pour parler avec le docteur, parce que le docteur a commencé à aller. Si vous avez visité donc là, je pense qu'il y a des possibilités pour faire ça. Avant donc là, il a quitté le numéro de téléphone. C'est très très important parce que dans ce moment là, nous avons besoin de ça.
c'est important pour nous faire ça. Je pense que le docteur a quitté le numéro avant d'aller pour les gens qui t'arrivent mais parler avec. Même parce que Frère Wilner, n'a plus bonne question. Question. C'est donc, d'après mon question, on est arrivé. Après okay. Ça, on quitte le numéro. Moi, dis tout le monde qui a participé, qui a posé des questions, moi, dis merci. Parce que ça a montré que vous attendez. Et puis, chaque sujet que vous avez discuté a eu une importance. Donc, premièrement, je remercie le pasteur qui, depuis les États-Unis, qui a été relé. Moi, je viens là deux fois, il est relé. Et en deux fois, il relé. C'est ça que nous avons fait, notre égoïste, nous-mêmes, en tant que peuple. Nous voyons que le fait que les victimes de charlatans ne peuvent pas arriver et l'autre. Donc, à chaque fois que vous venez, vous relayez pour lui faire appel ça encore. Lui-même, il était victime. Donc, c'est pour nous tendre les conseils et c'est pour nous essayer de mettre en application. Donc, rapide, vite, nous avons une question. Par contre, si toutefois, il y a une question que je ne suis pas satisfait au monde, parce que je ne peux pas prétendre répondre à tout le bagaille, donc je suis capable de toujours tourner dans l'autre émission et puis pour nous capable d'éclaircir. D'accord? Donc, premier frère qui t'a relé, nous, elle t'a posé trois questions. Première question, ma petite j'en ai rapide, malheureusement. Première question, elle t'a dit qui cause dans sensible et la brosse. Donc, il y a un monde qui a une carie dentaire, dans un trou. Il est capable de sentir dans sensible la brosse. Mais sensibilité, ça l'a déjà senti du moment que l'a consommé des bagailles qui sont glacées, bagailles qui sont sucrées, bagailles qui sont réconfort. Donc, ce n'est pas seulement la brosse que l'a senti. Et puis, nous n'avons pas de bonne technique pour nous brosser dans les gens qui ont appris à nous brosser dans, ce n'est pas comme ça que vous brossez. C'est ça que vous parlez. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est capable de vous faire. Si tout le monde a une possibilité pour vous en direct, vous avez montré la technique pour nous brosser dans. Mais nous n'avons pas en ville et puis tout le monde avec mannequin. Même parce que tout le monde que mon ali passe dans la clinique, je toujours fait ça. Toujours battre pour moi former patients. Pour m'expliquer mais comment pour bosser dans et pour regarder des vidéos sur ça. Donc les gens qui pas bosser dans bien et dans la bonne technique là, parce que j'ai eu quand nous avons foubi dans nous, ça qu'on vient faire que dans les couper. Dans le niveau bon gencive là, pour nous connaître dans la coupe. Donc, laisse ça, moi j'ai une grosse sensibilité de bosser dans. Ensuite, l'idée dit nous, est-ce que parler en pile qui cause mauvaise haleine? Oui, parler en pile qui cause mauvaise haleine parce que tu as l'air à nous te parler que tu dis une cause qui plus bien mauvaise haleine, c'est sécheresse bouche là. Et les bouches maintenant absèchent. Donc, il y a des gens qui parlent, vous remarquez que quantité salive bouche que tu as produit, elle n'est pas produit même quantité. Donc, si bouche n'a pas produit même quantité de salive là, a gagné une multiplication de microbes, de bactéries, capvine, dégage beaucoup plus en gaz, capable de mauvaise haleine. Oui, parler en plus capable de parler parce que à mesure que vous parlez plus, c'est à mesure que bouche vous sèche. Tout le monde net met essayer faire expérience ça. Et mon même frère te dit encore, les wap brossé, j'en suis là, c'est qui ça qui cause ça. Fort souvent, ça qui cause ça, c'est le monde qui parle de prophylaxie. On va garder les savoirs pour que dans un paquet de calcaire là-dedans. Ça veut dire que le donc, du moment que il y a un dépôt, les gens qui ont un genre de capsimier. Parce que, pas oublier que tartre là, pas oublier que plaque bactérienne là, les colonisées font un paquet de bactéries. Et bactéries, ça va forcément, ces bactéries qui vont dégager, des toxines. Donc, ils détruisent les tissus gingivales là. Et l'autre bagarre encore qui vivait, les gens se voient abstenir encore. Sans ça, parfois, l'obèse des gens se voient où il y a plus qui monte. Ils ne peuvent pas joindre ça. Donc, à mesure que sans ça l'a pas accumulé, ils deviennent faire plus. Donc, bactéries colonisées deviennent faire plus et que le monde ça. Je suis là parce que c'est capable de causer des mauvaises haleines. Deuxième monde qui était là, il était parlé de dents piquées. Si dents piquées, si dents devant continue à piquer, est-ce que il cause toutes dents devant? Est-ce qu'il est capable toutes cause toutes l'autre dents regarder? Et puis il dit qu'il est capable de vivre dans cas ça. Donc, du moment que vous avez une dent qui a piqué, vous regardez au début, tu as une petite trace. Au fur et à mesure, tu traces dans la vie de fond de trou. Citron la vie beaucoup plus gros. Grosse à la vie plus et puis la vie plus fond. Jusqu'à ce que vous venez sentir dans ça à fond mal. Donc c'est ça qui a privé. C'est progresser, carrière à progresser. Donc l'autre dit tant pis que moi du carrière, c'est même bagaille là. C'est progresser que la progresser. C'est pas un bagaille qui a campé. Donc c'est ça qui fait du monde qui pique.
viens jouer un docteur, viens faire consultation pour le docteur poser un diagnostic pour qu'on ait que s'il est capable et juste restaurer dans ça ou bien s'il est capable de faire le traitement qui peut pousser pour dans ça. C'est très important. L'autre monde qui te relève, elle te dit est-ce qu'il veut dire est-ce qu'il veut c'est vrai qui pique dans est-ce que c'est lui qui cause dans fait mal. Et il dit que ça qui cause et en dedans il est gâté et fait mal. Mais il te dit que il te dit tout, il est sincère pour te dire que il pas de quoi vraiment une question venant dans ça. Donc dans pas gain velade. Parce que ça qui cause et dans à fond mal là, c'est le fait que gagner nerf qui dans dedans, gagner nerf qui entre dans dedans, c'est ça qui fait dans vivant dans les vaisseaux sanguins qui la donne et gagner nerf qui rentre là-dedans. Donc il y a un bagage qui est dans dedans qui permet d'en vivre qui aurait les pulpes. Pulpes là sont des bagages qui mouent que lié. Donc les que pulpes là l'y attaquent, mais les nerfs qui est dans dedans, pulpes là devient conflit. Divine pipo est normal, il laisse aller vite compresser derrière là. Donc c'est ça qui fait dans le fond. Donc je vous ai dit en fleur, il n'y a pas de mauvaises alertes qui associent avec le manger qui vont nous laisser dans l'orange. Oui, en pile fois, nous pouvons trouver une case à. Vous comptez que les gros font massage et dans l'orange blanc, ou marquer un paquet de mouvements, vous comptez, et il y a des fêtes ou deux. Dans ce que vous comptez, les chats, vous comptez les gros et on a qui limite à prendre au fil de l'utilité et vous faire prendre un secret et un verre de bouche, automatiquement, vous pouvez vous donner un. Mais est-ce que ça est capable de causer mauvaise haleine? Oui, et H. pylori, mon qui a un problème H. pylori avec mon qui a une crise épileptique, ça est capable de poser mauvaise haleine. Mais dans le cas H. pylori, j'aime te dire, mon qui a un problème gastrique, mon qui a un reflux, et le plus souvent, c'est eux-mêmes qui ont une mauvaise haleine. Parce que dès que. Débris remonté et dans le gorge, pas oublier que le produit qui est sous l'estomac là, il est acide, laisse ça, il mouille les tissus, et puis il vient plus de mucus qui recouvre, et laisse ça, vous remarquez que le monde a des mauvaises haleines. Dans le cas de crise épileptique, là, et le monde épileptique, ça qui cause des mauvaises haleines, c'est les médicaments que vous avez le monde. Parce que qui ça qui gagne, c'est l'antisodium dans lui-même, il vous remonte et automatiquement c'est quitter salle là parce que odeur à l'égard dans toute salle là est vraiment désagréable. Oui, monde qui a une crise épileptique est capable de faire une mauvaise haleine, mais moi bien dit, j'aime te dire, nous décidons de classe médicaments, bon, mais son rappel lié parce que je ne pas citer classe médicaments ça, médicaments ça, effet secondaire, il y a hyperplasie gingivale, il y a des problèmes gencives qui viennent cause que mon monde a une mauvaise haleine. Même monde ça, il te dit que qui ça qui cause quand il y a des gens qui grand monde et quand il y a des gens qui ont perdu dans le plus. En général, pas quoi que obligatoirement si mon grand monde est obligé de perdre tout dans eux, plus quoi que négligence
capable de causer négligence avec manque d'éducation qui est capable de causer ça. Parce que vous paquet de pays côté que mon grand monde, yo grand monde avec tout dans et dans bouche yo et moi crois que Canada te gagne en politique côté que au moins pendant mon grand monde faut qu'il t'arrive grand monde avec soit 22 ou 24 dans la bouche. Parce que donc kay grand moun yo gen yon bès nan yon moun yo gen yon bès nan kantite saliv ki kon produi kay moun nan. Donc ça vient faire que bouche moun nan sèche plus rapide, dan yo gâte beaucoup plus rapide et ça kon provoke perte de dan. Donc dan yo lè yo gâte kon sa et moun nan parfois négligence et j'aime se dire fait que moun nan pa vin kay dantisa et puis dans le fait où c'est parfois et c'est des gens qui absent, c'est les salles venir les que le pas se porter encore les salles venir en général pi fort grand monde qui vient dans clinique moins pas joindre grand monde qui vient pour consultation de routine moins joindre grand monde qui vient pour en fait mal et à 90% mes amis c'est les que docteur pas capable faire rien pour dans les ça ouais dans très branlante ouais dans ouais chance là a pas pu c'est dans cas ça grand monde yo pas venir l'hôpital yo pas venir cas dentiste pour problème dans yo pas venir cas dentiste pour faire nettoyage dans donc ça fait que yo perd du temps mais ça va veut dire que obligatoirement yo mon grand monde li obligé perd du temps donc moi dis ça on monde où on commence à entrer dans l'âge commence à entrer dans 50 60 vini faire et en consultation de routine même si ou pas capable venir chaque 6 mois au moins une fois par an vini pour nous capable faire du propre dans bouche de réconfort même mon ça tout il te dit est-ce que manger chaud ca bail mauvaise haleine on pensait que oui il capable bail mauvaise haleine pas oublier que dans étude que y a mené surtout dans pays monde qui consomme thé en pile monde qui consomme thé chaud en pile yo même rivé ouais que mon ça yo fait plus cancer dans gorge parce que chaleur tissu en lit exposé ensemble avec l'IA permet que tissu yo produit plus mucus et puis mucus ça parce que tissu en faut que protéger tête lui-même donc quoi il y a une réponse naturelle que le bail donc au fur et à mesure que mucus a produit beaucoup plus a bien plus bactéries qui a colonisé mais ça a bien bactéries qui a bail plus gaz et puis on a la remarqué que odeur bouche pas même ça donc qui ont manqué de grands patients. Si on est enceinte, la plaie de cracher, est-ce que n'est pas nécessaire pour y aller au dentiste? Conseil que ma baye yon moun qui enceinte. Du moment que yon fille ou enceinte, li nécessaire pour aller au médecin. Pas seulement dentiste, li nécessaire pour aller au médecin. Pour médecin suivre l'évolution de moun nan, pour le suivre si tout bagay normal, pour sauver ni la vie ou ni la vie de ces gens-là. Parce que nous remarquons que dans l'année passée, par contre, si ils ont toujours comme ça, plus de monde qui mourit, c'était le monde qui a fait petit. Plus de filles qui mourit, c'était le monde qui a fait petit. Mesdames, vous êtes mourus. Donc, c'est parce que, en pile fois, mesdames, vous n'avez pas suivi le docteur. Le docteur, il laisse ça et il y a une mauvaise évolution qui fait et dans le gros, c'est ça. Les gens ont appelé des crachés. Son bagage qui est normal parce que là on sait qu'on chamboulement de tout hormone qui n'a pas une augmentation des hormones qui va augmenter, une diminution des hormones qui va diminuer. Donc laisse à mon zali venir nausé, n'a pas que mon zali vomit souvent. Oui, il faut aller au dentiste parce que soit plein de vomi acide qui sortit sous l'estomac, pas oublier que c'est dans qui vient exposer avec dans ça lui casser les os dans bouche, moi-même toujours préfère pour diminuer pour pas casser les os dans bouche pour vomir. Donc, qui ça fait que l'on vomit comme ça dans le gâté? C'est parce que l'acide là, il est déminéralisé dans, il détruit le tissu dentaire là, et dans, il vient gâté, parce que ce tissu minéral, où est la vie noire, il vient faire trou, comme ça dans, il vient gâté. Mais si vous finissez vomi pendant grossesse, vous finissez accoucher, venez voir le docteur, venez faire une consultation, venez faire un nettoyage. Pas quitter que c'est les dents fin fait trou, les coups fin qui dans fait mal c'est les ça pour venir. Parce que bactéries pour yo faire pour dans fin qui carré dentaire là c'est bactéries qui prend tout ça qui vient sucre qui est consommé qui métabolise sucre ça qui fait le tourner acide.
on l'a vomi, acide l'a sorti sous l'estomac, dans tout jouer un acide directement. Bactéries ne savent aucun travail pour vous faire. Donc, où jouer un acide là en quantité, il est ça dans le gapi. Il est vraiment important. Vraiment, vraiment important pour une fille qui est enceinte, pour lui être dentiste. Et là, il est beaucoup plus loin. Parce que bouche monde charge ensemble avec des bactéries qui pas t'adouer en contact ensemble avec les fœtus ensemble avec bébé. Donc l'écho plein calcaire dans bouche en tant que fille qui enceinte, bactéries ça aussi ont une possibilité pour passer dans circulation générale, il y a une chance pour y aller joindre tout monde là. Et les ça tout monde là qu'on fait avant les ou bien parfois tout monde là qu'on fait avec une malformation. Donc bien important, moi je dis encore, il y a monde qui enceinte pour être dentiste, pas seulement dentiste mais pour être médecin. Te gen yon moun ki te mande combien fois pou yon moun ta bosse et bosse dans li pou li sauver tout dans et dans bouche combien fois pendant un jour. Idéal là c'est ta pou moun bosse dans chaque confinement. C'est ta ça qui t'a dit le confort. Mais yon moun ki tellement manger pendant un jour, parce que excellent tout bagay la. D'accord. Donc à mesure que vous bosse, c'est à mesure que yon tissu ka perdu parce que il bad pou. Mais si on respecte manger trois fois, je pense que chaque confinement, je bosse. Donc, c'est ça que vous dit, on doit bosser trois fois par jour. Matin, on doit manger midi et puis à soir. Mais pour nous-mêmes, dentistes, nous avons pour petit, il faut que tu bosses deux fois par jour. Matin, après fin manger. Et le bossage qui est plus important pour dentiste là, c'est à soir. Pour qui ça à soir? Parce que non seulement l'abdomen a une diminution de quantité de salive là, pas bien que peut-être de salive là, c'est pour les bains de bouche naturels là, des gens muscles dans la dent qui empêchent bactéries et accumuler. Mais les qu'on pas bon c'est bouche. L'on ne peut pas faire notre hospital. Et bien ça, pardon, mais ça, c'est un peste pour la tête. Ah, c'est le moment où vous pouvez vous expliquer les images. Et c'est le moment où que vous dégagez le plus acide. Et tout le monde peut dégager acide à l'acide pour que dans la démoralisée, la propriété de l'engagement de l'engagement. Donc, vous pouvez compter sur ça, c'est pas parti. Et voilà, l'important, c'est que vous avez fini deux fois par jour. Mais pour moi-même qui donne ça, je sais que c'est important, c'est à soi à moi. Je ne vais pas dire ça, mais je ne vais pas dire que je suis pas posé. Mais Aldon, avec le centre de parole, je ne vais pas dire que je suis pas posé. Ensuite, je vais te dire que je vais faire un vandalisme. Je suis ça, je vais aller au centre de parole. Et moi, je fais un arrangement à la demande de moi. Je suis capable de remplacer le journalisme pour que ça marche. Pour que ça soit avec nous, je suis pas capable de trouver un peu plus fort. Je ne suis pas capable de dire ça. Parce que ma construction n'est pas au champ. D'abord, je ne suis pas connu qui veut le travail pour le monde. En plus, moi, mon enfant qui est fondé d'or, c'est dans mes mains que je veux remplacer. On n'est pas dit dans mes mains. D'accord? Clinique là, c'est après là. Ou après, devant clinique là, bien belle, il y a une belle banderole qui est écrite pour paraître pour papa. Tout collé avec Dr. Joliva avant de descendre pour aller dans les barrières qui frère. Donc, c'est numéro 4. Numéro de téléphone clinique là, c'est 38 82 70 57. Ma propagande, c'est 38 82 70 57. Numéro de comme là, c'est 33 50 31-30. Notre commandant, c'est 33-31-30. Si vous besoin poser une question, sous question bouche, sous problème qu'on gagne, relève à n'importe qui. Depuis c'est pour bouche, ma réponse. Mais si c'est notre bagage qui vous envie de parler, parlez le temps pour souffler, parce que vous chargez monde qui besoin de pour ça. Nous sommes là que nous sommes sortis dans l'émission, c'était lundi. Il y a un paquet de monde qui te relève.
Et me remercier nous parce que nous t'ai relé, nous t'ai posé un paquet de questions et me remercier tout le monde ça autour qui t'est venu dans clinique là. Ah bah on est émission bonne popularité monsieur. En pile monde débarqué. Nous t'ai dit ça déjà. En pile monde débarqué. Bon pas connait si c'est risque que m'ai t'ai fait pour yo. Si c'est rabais que m'ai t'ai fait pour yo qui t'ai fait ça. Mais mon yo t'ai content venir et pense que consultation tout le monde qui tendait émission réconfort depuis mon apparaît il dit c'est mon émission réconfort oui depuis mon dit ça consultation pas monté consultation toujours été 500 euros et nous même si nous pas aller fort mais rabais nous fait aller considérable sur tout le travail donc moi remercie nous tous qui t'ai relé et qui t'ai passé dans la clinique là. Déjà, moi, dis-nous bienvenue. Tout le monde qui vient pour Iléo et tout le monde qui vient pour passer dans le clinique. Pas oublier que c'est sous boulevard là. Numéro téléphone clinique, c'est 38 82 70 57 33 50 31 30. Moi, dis tout le monde merci en pile. Et maintenant, si vous avez l'autre question, c'est pas bien. Il y a une question, docteur. Je ne vais pas répondre. Il y a des gens qui m'ont dit, alors vous savez qui sont dit, comment on a fait pour remplacer dans pour lui. Mais quand on va faire un remplacement, ça, comment ça va aller? Est-ce que pas bien pile douleur? Comment ça va aller? Pour nous bien faire, remplacement dans pas de douleur. Quand il y a là, processus pour remplacer dans, il est capable de venir avec des douleurs. Mais moi-même, il y aurait le docteur sans douleur. Alors, c'est bon, ça c'est pas sûr qu'on a joué pour ça. Moi-même, toujours sincère ensemble avec patient. Pour me dire, si par exemple, seule douleur vraiment que vous avez senti quand on dentiste, c'est la barre anesthésie. Parce que la piqueur avec un seringue, donc la fait injection, vous avez senti un petit douleur. Ça, si le docteur n'a pas dit ça, il faut le chasser. Mais disons que le docteur a fait une barre anesthésie, je ne sais pas si vous avez un cas de dentiste encore qui a fait mal. Donc, il y a plusieurs façons que vous êtes capable de remplacer ça. Ou capable de mettre une prothèse qui fixe, ça veut dire une prothèse qui n'est pas capable de retirer, mettre, ou capable de mettre une prothèse qui est amovible. Ça veut dire une prothèse que l'on est capable de retirer, mettre, et l'être renouvelé. Donc, pour remplacer dans Kounia là, il y a un pile travail qui est capable de mériter fait. Par exemple, il y a un manque de passé encore, auditeur qui sauterait les gens, il sauterait besoin de remplacer dans devant. Mais pas gagné qui dit que il n'y a pas des dents qui étaient écrasées dans la bouche déjà qui méritaient de sortir avant même que de remplacer dans eux. Parce que c'est ça qui fait une consultation importante. Pour qu'il y ait besoin de remplacer dents, mais par contre, les gens bouche là, il n'y a pas qu'à remplacer dents. Okay. Donc, il faut qu'on filme des bouches là à point avant même qu'on remplace dents. Pas oublier tout, son corps étranger qu'on va le mettre dans la bouche là. Ça qu'on va le mettre à l'épate là. Dans naturel, on a dit là, ok, il perdu, mais son va le mettre à son corps étranger. Donc, il faut préparer bouche pour ça. Ça veut dire si mon pour remplacer dans pour lui, faut qu'on retire tout dans qui t'écrase qui mérite sorti, faut qu'on nettoyer bouche, faut qu'on faire prophylaxie. Si mon a des problèmes gens si des problèmes parodontal, faut qu'on résoudre problème ça avant traiter problème ça avant même que on remplace dans ça. Donc oui, on capable vie et remplacer dans mais faut que docteur consulte bouche là avant pour connaître si qu'on capable de remplacer dans ça directement ou bien si on suivre l'autre traitement avant ça. Donc pour finir, mon a dit bonsoir. Si mon n'a pas bien l'argent, je ne vais pas dire non. Dégage, vous avez cop. Il faut que cop pour faire travail là. C'est réconfortablement que c'est gratis. Donc la matériel, mes amis. Pas mon continuer sincèrement ça avec. Non, l'autre bail, donc nous avons dit dans ce qui est très important. Je pense que il y a un autre travail pour moi, ça te fait bien en ville. Parce que donc là, tu vois, est-ce que c'est si portable? C'est comptable, et que docteur, il n'y a pas qu'on a fait ça. C'est faire la foi, puis faire la foi, ça te fait bien, puis le docteur. Non, mais il y a un bagaille. Le travail qu'on fait là, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans la bouche patient. D'accord? Ou même, on connaît que le pape fait patient mal. Il ne doit pas faire mon mal, mais il y a un inconfort. Mon n'a doit pas avoir de douleur, mais la bouche a fait mal parce que l'ouvre la bouche est trop grand. Il ne doit pas faire mon mal, mais le fait que vous preniez un appui, pointe son mot, fait mon mal sous gencive. C'est ça qui fait qu'on a communiqué ensemble avec le patient. Tout ce qu'on a fait, on dit patient. Donc, là, comme ça, ça vient créer une harmonie. Vous pouvez remarquer que vous avez même envie de dormir dans le même. Oui. Vous comprenez ça, c'est pas moi. Donc, fatigue de faire dormir le non, c'est ça. Parce que là, qu'on se sent confortable, et dans mes docteurs, ou là, il y a tout le monde. Donc, pour le monde qui te dit, s'il peut qu'on ait un problème. Mais ça qui est
pour me c'est rare. Il y a des monde qui dit que moi travaille cher. Tout comme tout le monde qui est qui vient qui dit son égaré bien pas travaille cher. D'accord? Donc ça va dépendre de possibilité monde. Mais qui ça me veut tout le monde comprendre. Moi-même travaille pas si on travaille, dit tape couteau 500 gouttes. Moi dit que la couteau 250 gouttes, c'est même j'en travaille 500 gouttes là en fait là, c'est même j'en 250 gouttes là la fait. Parce que c'est moi qui consenti pour me faire. N'a pas excusé parce que m'pas genre de docteur capable mettre bruit dans la rue cap dit ah me fait tel travail écraser mon nez et puis les qu'on fini pour faire travail ça c'est pas lui même que me fait dans bouche conscience moi pas permettre moi parce que m'pas monde ça d'accord donc si on vient là caille moi ou gagne un centime pour payer pour un travail une bonne garantie ou satisfait de travail là et c'est pas toi les que lié de me faire ça. Je dis toujours malade là, si vous n'êtes pas satisfait, dis-moi de mettre au corps là. Et pour l'histoire, je ne peux jamais jouer un malade qui dit que le pas satisfait de gens travaillent. Au contraire, au début, les gens sont venus, ou dit le travail à côté le temps, ils dit, ah donc, travail en trois chers, j'ai dit mon bagage. À chaque fois que vous faites travail, je dis toujours, dit, donc si vous avez un corps, vous avez mis sous lui. Travail, vous faites à niveau corps là, vraiment. Donc, si vous n'avez pas de corps, venez faire consultation. Avec consultation, on a tout ça que vous avez pour faire dans la bouche, et puis de là, vous avez pris par séquence. Même si vous n'êtes pas capable de traiter toute la bouche à un seul coup, mais à chaque fois que vous avez un petit bagage tombé dans mon ou venir ou faire. D'ailleurs, c'est comme ça que le dentiste travaille. Chaque salle dentiste a fait, vous payez le boulot. Chaque salle fait, vous payez le boulot, jusqu'à ce que vous finissez de bouche à normal. Parce que non pays qui n'a pas de travail, vraiment, je ne vais pas faire politique dans le temps, non pays, côté que l'argent c'est luxe, même manger pour mon manger, c'est luxe. Ou faire un traitement pour bouchou, il faut qu'on ait qui en pile. Pour que vous prenez 5 000 gouttes, vous prenez 10 000 gouttes, vous prenez le bail au monde. Il faut qu'on ait qui. C'est ça que fait. Pas tant de ces tout corps blanc pour faire traitement pour venir. Venez faire consultation. Et puis, au fur et à mesure, on va faire traitement jusqu'à ce que vous mettez mettez bouchou. C'est normal. C'est ça que je dis. Parce que parfois, mon yon pense que faut que vous ayez tout corps blanc pour venir. Si tout le temps que poche n'est pas plein, il n'y a pas de venir. Il y a un peu de temps pour le sol, il faut le lever. Il ne faut pas capable de danser là et le sol a fait lever. Venez d'abord. Vous avez compris ce que ça peut faire. Avant que le sol a levé, vous avez droit même de faire traitement. D'accord? Donc, moi conseille nous, fini. Peu importe où vous avez le corps, il met ses consultations pour capable de faire. Venez jouer le doc là. D'accord? Je ne crois pas que l'argent a bien plus d'importance par ce. C'est vous-même d'abord, ensuite, comme là. Parce qu'on connaît. Nous achetons matériel. Oui, c'est ça. Il faut que matériel continue de travailler. Si on n'a pas, il faut que l'argent. Merci donc. Nous remercions d'être avec nous. Nos derniers mots. Moi, je vous l'aime une bonne site là. Pas dire merci parce que c'est un plaisir pour moi pour me là. Du moins que nous avons besoin de faire mon connaître. N'importe qui, ça est pour me faire sacrifice là pour me venir. Si toutefois je ne suis pas venu physiquement, même dans le téléphone, papa avec moi. Dernier mot, c'est mes amis, même si principe de réconfort. Prends soin de bouche. Bossez dans nous trois fois par jour. Pour Pipiti, deux fois. N'a bossez dans nous avant nous aller dormir. Passez fil dentaire nous, mettez bien de bouche nous, visitez dentiste nous chaque 6 mois. Aussi simple que ça, et puis la bonne santé buccale optimale. Merci donc, nous remercions. Nous pensons que c'est pas pour une dernière fois. Nous comptons nous vivre de ça audio parce que patience, moi, t'es gagné pour moi. Certainement, c'est sûr que nous avons mis à bien service. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Moi, remercie tout le monde qui t'a attendu. Moi, remercie encore une fois tout le monde qui pose des questions. Tout le monde qui a bien pour venir dans la clinique là, du lundi au samedi, 8h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Docteur Bassé a pris nom avec contentement. Merci. 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 Merci